C'est dans une posture de rassembleur que le président Macky Sall s'est adressé au peuple sénégalais. La confirmation officielle de sa réélection s'annonce par un discours triomphant après avoir récolté plus de 58% des votes et sans même passer par un second tour. Le président rappelle que la période électorale est dépassée et qu'aujourd'hui le pays doit laisser place à un sentiment qui prône l'unification du peuple sénégalais. À mes yeux, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Et à présent que la campagne électorale est définitivement terminée, je considère qu'il n'y a plus d'électeurs ou de camps marqués par des couleurs et démarqués par des lignes partisanes. Je vois un seul camp, celui du Sénégal. Dans un contexte post-électoral tendu, le président réélu lance un appel à un dialogue politique ouvert et constructif qui invite les anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade à y participer. Mon rôle, c'est de nous rassembler autour des idéaux que nous partageons. Je convie à ce dialogue républicain toutes les forces vives de la nation, sans exclusive. Si Macky Sall compte faire une proposition plus concrète pour inclure l'opposition à ses projets, une relation de confiance devra avant cela être établie.